Bonjour tout le monde, c'est Luc et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour un petit tuto. Alors pour commencer, je vais vous montrer la map comment elle est. Alors je vais m'enlever de créative et je vais vous montrer déjà ce que je vais vous apprendre à faire. Donc vous voyez, donc ici vous mettriez une pancarte d'appuyer sur le bouton pour monter, enfin voilà, et vous appuyez ici et vous commencez à monter. Voilà. Donc c'est une sorte d'ascenseur. Ensuite, donc, vous arriveriez ici. Bon, ça, après, c'est à souhait, hein. Moi, j'ai mis ça. Donc, tu vas devoir sauter. Et là, bien sûr, pour une map aventure, ça peut être sympathique. Pour le début d'une map aventure ou la fin. Ou... Enfin, voilà. En tout cas, le système peut être utilisé pour plusieurs choses. Donc, je vais vous commencer le petit tuto. Alors, pour commencer, donc, je vais me remettre en créative. Alors attendez une petite seconde, je vais me remettre en créatif et je vais vous montrer un peu comment c'est fait. Alors, comme vous pouvez le voir là-dedans, il y a du redstone. Donc en fait, c'est une grosse boule de redstone, hein. Donc en fait, après, je l'ai recouvert pour que ça fasse joli. Mais en fait, tout ça, c'est une grosse boule de redstone. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais sortir de cette partie et je vais vous faire le petit tuto. Donc je vais sauvegarder et quitter et je vais en créer une nouvelle. Créer un nouveau monde et je vais faire bah tuto et voilà, en mode survie, on s'en fout et on va le faire extra plan, surface plan pour ne pas avoir de problème. Alors je vous conseille, si vous devez faire en extra plan, en surface plan, de vous mettre en paisible, parce que si vous vous mettez pas en paisible, il va y avoir les monstres verts comme celui-là là-bas qui vont apparaître et qui vont vous faire chier pendant ben, toute la durée de votre construction. Bien, donc nous apparaissons ici et nous allons donc nous mettre en créatif. Et donc pour commencer, nous allons prendre de la roche. Nous allons poser ici et nous allons faire un carré de roche. Tiens, il y a des vaches là-bas. Salut! Nous allons faire un carré de roche et... donc pour commencer, voilà. Voilà. Petit carré de roche. Et donc voilà. Petite interruption de la part de mon beau-père. bien, donc une fois que ça c'est fait, donc on va avoir besoin d'escalier. Comme ça, alors on va prendre des escaliers de pierre tout simplement. Qu'on va par exemple pour le premier, on peut le positionner ici. On va le positionner, ouais, on va le positionner ici. Et nous allons pouvoir, donc nous allons devoir utiliser des pistons collants, les verts là comme ça. Donc on les met comme ça et vous allez mettre, non, on les met un peu plus loin. Merde. Voilà. Vous allez prendre le piston collant, vous allez le positionner ici et vous allez mettre la pierre ici. Bien, alors pour commencer, il faut penser que vous allez avoir besoin d'un bouton. Donc pour les boutons, donc déjà je vais le prendre. Vous allez bien sûr avoir besoin de redstone. Alors, il est où la redstone? Déjà la redstone elle est là. Et le bouton, alors on va déjà prendre des répéteurs aussi, ça peut servir. Enfin, ça va servir. Et le bouton il est là. Voilà. Bien. Alors, pour commencer, donc le mec il arriverait ici. Avec le mur ici. Donc nous allons mettre par exemple le bouton. Nous allons le positionner juste. Ben juste ici. Voilà. Donc nous allons prendre, pour que ça fasse joli, un bloc de diamant. Nous allons le positionner ici. Et nous allons mettre le bouton. Bien, alors nous allons bien sûr avoir besoin du redstone, comme je l'ai dit il y a 2 secondes. Donc, nous allons devoir mettre ici suffisamment large pour pouvoir placer le circuit de redstone. En fait, ça va être tout le temps la même chose, donc je vais pas vous faire le tuto aussi haut comme, aussi haut comme je l'ai fait sur l'autre monde. C'est juste pour vous donner une indication. Alors, je vais vous expliquer un peu et après, comme c'est tout le temps la même chose, je m'arrêterai. Alors, donc, nous allons positionner la redstone ici. Nous allons continuer. Il faut le faire assez large. Donc, voilà. Voilà.
Le piston se retrouve donc ici et il va donc falloir ramener la redstone jusqu'au piston. Donc on l'amène ici et on va mettre la roche. On va la positionner ici et voilà, redstone, la redstone arrive. Bien. Alors une fois que ça c'est fait, enfin on peut le faire d'une autre manière, que ce soit moins large et que ça prenne pas autant d'espace. Tout simplement en mettant de la roche ici et en faisant ça. Voilà. Bien, donc normalement maintenant, vous voyez, si on actionne, ça fait ça. Voilà. Bien. Alors maintenant nous allons faire une bifurcation. Jusqu'ici. Alors, il va falloir nous faire monter. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous cliquez et ça vous fait monter. Donc on va avoir besoin de notre escalier qui va aller se positionner ici. Bien, une fois que ça c'est fait, il nous faut donc un piston collant ici et de la pierre ici. Non, pas ici, ici. Voilà, comme ça. Donc il va falloir le faire monter. Et ça va arriver ici. Donc il va nous falloir. Non, en fait. Ouais, voilà. Donc il va falloir le mettre ici et positionner comme ça. Voilà, maintenant oui. En fait, je crois que c'est la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure, mais bon. Et donc, nous allons avoir besoin de ceci ici. Je savais que j'avais fait une connerie. Ça peut. Ouais, en fait, non, c'est pas une connerie, mais bon, ça peut. Je préfère le faire comme ça. Ensuite, donc, nous allons faire ça comme ça. Et donc là, la redstone arriverait ici. Mais le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, si vous faites ça va pas vous faire monter. Regardez. Ça va pas vous faire monter plus. Pour la simple et bonne raison. Bah que déjà, ça n'arrive pas. Donc, on va faire d'une autre manière. On va mettre un répéteur ici. Juste avant. Il va tous falloir les mettre comme ça, hein. Et donc ensuite que ça arrive ici. Voilà. Et là ça arrivera en même temps. Bon. Donc on va faire ici la même chose. On va remettre un répéteur pareil. Et maintenant par contre ça devrait. Voilà. Ça n'arrive pas en même temps. Donc ça là par contre oui ça va vous faire monter, effectivement. Donc en fait il faut juste cliquer une fois, hein. Ce sera suffisant pour le répéteur, ce sera suffisant. Alors ensuite, une fois que ça nous fait monter ici. Lorsque nous appuyons sur le bouton, il va falloir que ça nous pousse. Donc nous allons faire qu'il nous pousse de ce côté. Donc pour qu'il nous pousse de ce côté, il va falloir qu'il y ait un escalier juste ici. Bien. Alors une fois que l'escalier est positionné ici, enfin je vais répéter encore la même chose. On va devoir faire monter ça là. Voilà, on va devoir mettre ici. Un piston collant, voilà, et ceci comme cela. Une fois que ça c'est fait, nous allons faire passer le redstone qui est là. Il va falloir la placer ici. Donc nous allons faire une petite bifurcation, voilà, comme ceci. Alors attention, toujours placer le répéteur avant, 2 blocs avant, ou 3 blocs, je ne sais pas si ça marche à 3 blocs, en tout cas moi je le fais comme ça, et ensuite de faire la bifurcation après, c'est-à-dire 1 bloc après, donc ici. Voilà, pour que ça marche. Ensuite, donc on va faire ça ici. Voilà, ça ici, et ceci irait juste ici. Non. Il faudrait plutôt le faire monter avant, comme ceci. Voilà, maintenant oui. Pour que ça marche mieux, comme ça on peut mettre le répéteur ici. On clique et voilà. Et là, ça nous ferait monter 3. Donc un de plus que tout à l'heure. On va vérifier. Et effectivement, ça nous fait monter. Alors. Bon, je vais le faire encore pour un autre et après ce sera suffisant. Par exemple, ouais, donc voilà. Ensuite, il faut que vous refassiez la même chose, hein.
Et voilà. Donc vous refaites une bifurcation ici. En l'air, hein. Alors il faudra qu'il nous pousse ici. On va donc avoir besoin d'un escalier qui se trouvera juste là. Comme ceci. Et puis, logiquement, d'un piston qui se trouverait juste ici. Voilà. Nous allons donc refaire la même chose que tout à l'heure. Il va nous falloir ça comme ça. Ça là. Et voilà. Ceci est fait. Nous allons pouvoir repositionner la redstone, la faire monter. Poser le répéteur ici. Recliquer. Et un clic gauche, hein, je clic droit, hein, je précise. Et voilà. Et donc normalement, là, ça devrait vous faire monter 4. Voilà. Etc. Etc. Bien, une fois que vous avez fini, donc par exemple, vous pouvez faire pour votre map aventure, si vous avez envie de faire une map aventure, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, je sais pas, la personne. Bon, déjà, c'est le fermer. Une fois que vous aurez fini, vous pouvez le fermer. Alors attention, je veux préciser qu'il faut faire attention de ne pas positionner. Y a un problème avec l'appel Skype. Voilà. Donc, surtout, ne pas faire attention. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça m'a un peu dérangé, ce problème d'appel. Surtout, ne pas positionner une roche de manière à ce que ça ne. Par exemple, vu que j'arrive pas à m'exprimer avec les mots, je vais vous expliquer. Par exemple, si vous êtes en train de. Je vais le mettre en jour. Si vous êtes en train, par exemple, de monter la map et vous mettez ici, par exemple. Si vous le mettez ici, ça va pas marcher. Ça va pas vous faire monter. Faut faire super attention si vous devez recouvrir de ne pas mettre ça comme ceci. Donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez faire par exemple une fois que vous avez recouvert, voilà, vous dites tiens, je vais faire une entrée, ça va faire joli, on va le faire comme ça. Bon, pas ici, mais par exemple à un endroit où il n'y a pas de redstone. Donc je sais pas, j'ai fait une connerie, oui effectivement j'ai fait une connerie. Enfin voilà, comme j'ai fait dans l'autre. Donc le tuto est fini. Alors avant la fin de ce tuto, je vais retourner. Donc, comme vous avez pu voir, je vais retourner sur mon monde. Et je vais vous remontrer pour au cas où vous ne soyez pas au début, vous n'ayez pas été là au début de la vidéo, vous ayez passé la vidéo pour arriver au plus important. Donc je vais vous remontrer. Je m'enlève de créatif pour vous montrer que ça marche fidèlement. Regardez, donc ça vous pousse, vous montez. Ah. Une fois que c'est fait, vous arrivez ici. Et là. Donc ça c'est après au choix, comme j'ai dit au début de la vidéo, tu vas devoir sauter, donc vous sautez. Ouais. Et voilà, et vous mourrez pas. Bien, alors si vous voulez une aide, si vous avez besoin d'aide pour ce tuto, vous ne comprenez pas quelque chose, bien sûr, envoyez-moi un message ou mettez-moi un commentaire. Il y a aussi, vous pouvez aussi. Putain, je vais tuer les cochons moi pendant ce temps. Vous pouvez aussi bien sûr me demander si vous avez envie que je vous envoie la map, cette map, pour pouvoir après continuer à construire dessus. Et voilà, je pense que le tuto c'est fini. On termine avec cette image d'assassinat de cochons. Pauvre cochon, franchement. Et ben, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Dun.